Pour l'instant, donc, moi, j'ai pas mal de dossiers qui sont en cours, dont un qui vient d'être finalisé. C'est un dossier sur toute la réfection des plaines de jeu de la commune de Cobano-Pont et de Pulseur. Donc, ici, on a obtenu une subvention de 375 000 euros et on a donc une part communale de 100 000 euros pour la réfection et une toute nouvelle plaine de jeu dans le centre, au cœur du village de Comblanopont. Donc, avec des paliers donc, qui viennent des coteaux de Saint-Martin, donc qui est très belle, qui est vraiment très bien utilisée. Et malheureusement, ben, le climat pour l'instant ne nous le permet pas, mais il y a quand même pas mal d'enfants. Suite aux vacances que nous venons de passer, j'ai été voir plusieurs fois, il y avait toujours plein d'enfants qui jouaient, donc c'est très bien. Les parents peuvent venir prendre un verre, comme ça, ils sont à côté de leurs enfants. Nous avons aussi un projet cœur du village, donc, qui est refaire tout le cheminement pour arriver au parc Saint-Martin, et notamment pour les personnes à mobilité réduite à côté de l'église et du presbytère. C'est un appel à projet qui vient de tomber, où nous avons été lauréats. Donc maintenant, ben, ça se met en place. Il y a encore tout le côté administratif maintenant pour pouvoir lancer les marchés. Ensuite, nous avons la réfection d'une salle de basket qui est un appel à projet partagé donc pour les écoles, mais aussi pour notre club de basket et nos clubs de mini-foot au cœur du village. Cette salle de basket a plus de 50 ans, c'est un ancien cinéma. Maintenant, elle est vraiment vétuste et on a obtenu une subvention de 2 750 000 euros, plus 300 000 euros de Liège Europe Métropole grâce au ministre Adrien Dolimont. Donc, c'était l'appel à projet. Et donc, ici, pour l'instant, nous sommes toujours avec les plans, concertation citoyenne. Mais bon, voilà, c'est un projet qui devra se réaliser pour 2026. Il y a un autre. Nous venons d'acheter aussi une parcelle de terrain au centre de Comblain pour pouvoir y faire un parking. Nous avons aussi la maison des associations. Donc, c'est l'ancien bâtiment du Cercle à Comblain-au-Pont, où là aussi, on a obtenu une belle subvention et nous avons un partenariat avec les scouts qui auront une aile pour eux parce que nous avons des camps scouts assez importants sur Comblain-au-Pont et aussi une autre association. Donc, c'est un projet aussi qui va avoir le jour en 2020, peut-être 2024, fin 2024. On est un peu plus avancé sur ce dossier. Au revoir, bonne journée, bon week-end, au revoir.